Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite sur The Gritoire. On s'était laissé ici la dernière fois, bien évidemment. Donc là, je vous rappelle un peu la situation, hein. On avait bien progressé dans le nord et du côté de la Bavière et du Tyrol. Par contre, l'Italie avait pris la Suisse. Et je me demandais justement si j'allais pas commencer à l'attaquer. En tout cas, là, on a une grosse armée qui se prépare. Donc, il va falloir bien évidemment réagir. Donc, je vais amener quelques renforts et on va attaquer ça. Non, retraite. Moi, je voulais juste qu'ils avancent à proximité pour que ça me fasse des renforts, tout simplement. Bon, je peux pas les mettre aussi près que ça. Donc ça, c'est embêtant. Surtout que je ne sais pas quelle est cette armée. Mais bon, normalement, ça va le faire. Donc écoutez, est-ce que je peux déplacer cette armée? Non, de toute manière, je ne peux pas. Ok, bon, comme ça, c'est clair. Je vais prendre ceux-là. Hop, hop. Eux, je vais les faire avancer là-bas. Comme ça, ça, c'est fait. Ici, bon, ok. J'ai encore un peu d'argent, je pourrais peut-être recruter. Faudrait peut-être que j'achète un général de ce côté-là. Pas trop cher. Ok, donc il est bon en artillerie. Par contre, ça va pas du tout, moins 2. On va prendre jour. Voilà, comme ça fait un général. Ce sera toujours mieux si je veux attaquer par la suite l'Italie. Tout ça, on emmène au front, bien sûr. Voilà, et on va passer tout directement. Voir un peu les mouvements. Je voulais m'occuper de cette armée. Oula, là ça arrive. Bon, donc déjà, je vais garder des renforts parce que ça arrive du côté de la Bavière. Deux armées austro-hongroises. Bon, on avait vu que l'Espagne s'était occupée du Portugal et avait détruit la nation portugaise. Donc ça, c'est parfait. Est-ce que l'Italie va se rapprocher? J'en sais rien. Je vais peut-être reprendre la Suisse. Enfin, je dis beaucoup de choses, mais je ne fais rien pour le moment, donc on va voir. En tout cas, il y a quand même du monde là. Ok. Bon. Il va falloir une sacrée armée. Ok, donc là, ils m'ont coupé les vivres, ouais. C'est pas un souci, quoi. C'est pas un souci. Et le butin. La nuit est mon ami. Personne ne devinera. Je vais recruter des hommes encore et se préparer à cette attaque. Pour le moment, c'est pas de ça qu'il faut nous occuper. Je vais avancer ces troupes, j'espère que... Ainsi, à peine j'avance sur le territoire que... Je voudrais juste faire en sorte que ce soit des renforts, en fait. Mais apparemment, y a pas moyen. Je dois m'arrêter un instant. Je peux pas couper à travers là? Ah, parce que le Danemark a débarqué, ok.
Bon. Est-ce que j'envoie cette armée ou non? J'en sais rien. Troupes en avant! C'est pas possible. Je suis épuisé. Bon, écoutez, ben. Je sais pas comment faire. Franchement, je sais pas comment faire. Parce qu'il est clair que je voudrais apporter du renfort, hein. Je pense pas que cette petite armée seulement va pouvoir s'en charger. Et c'est ça qui m'embête en fait. C'est ça qui m'embête. Et là je vois à peine avancer que... Bon là ça va. Tant pis, on va se préparer aux abords. Est-ce que... Franchement, j'en ai aucune idée s'il y a une touche pour faire attaquer tout le monde en même temps. Ça serait sympa que vous me le dites dans le commentaire. Je vais encore passer un tour. Ça nous permettra peut-être de voir un peu plus clair. Bon, c'est vrai que c'est pas ma spécialité, hein. Je l'ai déjà dit, c'est vrai que les Total War, c'est pas ma spécialité. J'y joue de temps en temps, voilà. Là, ce qui me plaisait, c'est que c'était un mode... sur la Première Guerre mondiale. Et donc c'était ça qui m'intéressait, bien sûr. Mais bon, peut-être que de votre côté, quand vous me regardez, c'est peut-être pas fameux, ça j'en ai aucune idée, donc à vous de me dire, hein. Bon là, bien sûr, l'Italie avance. Ça va commencer à être un peu plus dur, je pense. Bon, cette armée recule, bon, ça c'est parfait. Oula! Et là, je ne peux pas battre en retraite. Bon, on va la faire. On va essayer de s'en sortir un maximum, en fait. On va essayer de s'en sortir un maximum, et d'éliminer le maximum, et après, le gros de mon armée qui est à Strasbourg, je pense, s'occupera du reste. Au moins c'est eux qui prennent l'initiative. Et ça me sort un peu de ce pétrin. Parce que là je voyais pas du tout... C'est peut-être moi aussi, hein, je sais pas bien manier le jeu. Mais j'aurais voulu quand même attaquer avec plusieurs armées en même temps. Au moins pour avoir des renforts en réserve. Alors, bataille de S. Darmstadt. Je sais pas comment on prononce. 1915 donc. Bon, pour l'instant, on est encore en 1915, donc dans tous les cas, en septembre en plus. Dans tous les cas, on n'est pas encore... C'est pas fichu, quoi. L'ennemi essaiera souvent de déborder votre... Alors, comment vais-je faire? En plus, j'ai pas d'artillerie, ça c'est... Est-ce que je m'abriterai pas? Comment ils sont faits? On va aller voir les skins tout de suite. Le casque Adrian. Et l'uniforme bleu azur. Par contre, toujours le fusil Lee Enfield. Ça, c'est un peu moins bien. Bon, j'en sais rien, je prépare pas trop non plus le terrain puisque, à mon avis, on va se faire bouger comme il faut. Ce qu'il faut, c'est leur faire un maximum de pertes. En les sélectionnant, puis en cliquant sur... Surtout qu'ils ont une sacrée armée, hein, mine de rien.
Bon, la cavalerie, pas de problème. Mais ils ont... Ah si, ils ont quand même de l'artillerie. Qui se met en place d'ailleurs. De toute façon, ça va être le massacre assuré. Ça, y a pas de doute. Mais on va essayer de résister, hein, les gars. Bon, l'artillerie a pas encore frappé, donc ça c'est déjà une bonne chose. Voilà, il suffisait que je le dise pour que ça commence. D'ailleurs, j'ai même pas vu où le premier tir a atterri. Wow! Ça c'est mauvais, hein. On se prend vraiment des... Ah ouais, j'ai déjà beaucoup de pertes. Allez, on ouvre le feu. Ah, il charge carrément. Non, c'est bon. Bon, la cavalerie, ça c'est bon. Je vais les faire replier sur les hauteurs, eux. On va préparer la retraite. Je vais essayer d'en emporter un maximum avec moi en fait. Par contre, ça c'est mon général, faudrait peut-être que je le replie vite. Voilà, ça c'est bon, faut continuer. Ça c'est parfait, regardez, on les met en déroute. Ça sera pas suffisant. Allez, repli, repli. Vous pouvez pas tirer, vous? Allez, on va les faire replier, eux. À eux de prendre la relève. Replier également. Allez, repli, repli, repli. Bon, c'est chaud, hein, c'est évident. En plus, je leur tourne le dos, donc... Comment les placer? Allez, repliez-vous. Repliez-vous, repliez-vous. Monsieur, monsieur, notre général essuie une attaque. On va essayer de leur avoir quelques pertes quand même, ce serait sympa parce que...
Allez, venez un peu les aider. Ils attendent pour tirer. Allez, allumez-moi ça. On résiste hein, malgré tout. Nous sommes là pour la retraite, monsieur. C'est normal. Allez, tirez, tirez. Nous sommes battus en retraite, monsieur. Allez, chargez-les, tant pis. De toute façon, j'ai plus d'autres hommes, mais ça va, franchement. On a pas trop mal résisté, je trouve. Quand même fait des morts hein. Malgré tout, regardez, il leur reste plus que ça. Et ah dommage, j'aurais dû me charger de la cavalerie et du général bien sûr, mais allez former. Comme quoi, avec une armée comme ça, on peut très bien s'en sortir. Enfin, il faut quand même un peu d'artillerie. J'ai juste cette colline devant, ça c'est pas très bien pour défendre. Bon, tant pis, on va. Attention de pas se faire contourner.
Allez, allez, en position. On arrive à les repousser, c'est quand même incroyable. Allez, continuez l'avancée comme ça. Franchement, si j'arrive à gagner cette bataille avec ces hommes-là, ce sera vraiment une sacrée bataille historique. Il faut que je fasse attention tout de même à l'artillerie. Faut les allumer pour pas qu'ils se reforment. Je vais faire avancer ces troupes là. Ouais, faut dégager là. Il faut dégager. Parce que sinon, je vais prendre cher. Je vais prendre cher. En tout cas, incroyable. Incroyable comment j'ai résisté. Ce sera peut-être le seul épisode. La seule bataille de cet épisode. Faut que je reste quand même. Malgré tout, faut que je reste quand même. Grouper, faire attention à la cavalerie. Je pense qu'il doit être épuisé. Mais y a pas à dire. Faut que je fasse attention au tir. Alors est-ce que je sais parler de groupe? Bon, apparemment il tire dans le talus. Donc ça c'est pas mal. Bon, il leur tire encore dans le dos. Je vais essayer de plus les prendre sur un flanc que face tout droit face à l'artillerie. Allez les gars, je sais que vous êtes épuisés. Mais là ce qu'on fait c'est tout simplement incroyable. Alors il faut saisir notre chance. Et surtout que je fasse attention à la cavalerie, que j'essaie de la détruire directement. C'est pour ça que je voudrais rester assez groupé et éloigné. Et réagir dès que la cavalerie fait mouvement. Parce que là j'ai vraiment plus beaucoup d'unités. Ça devrait le faire, hein. En plus regardez, l'artillerie elle réagit pas, donc ça. Pour info, il y a certains bugs sur le jeu, hein, évidemment. Comme les développeurs de Total War l'ont fait vraiment ce mode, pas à la va-vite, hein, mais je veux dire, il peut pas être parfait, quoi. Ça, c'est certain. Là, on va ouvrir le feu directement. Bon, il y a des chevaux qui sont touchés, donc ça c'est parfait. Allez, avancez par là, vous. Allez, avancez. Attention.
Bon, continuons sur l'artillerie de toute façon. Ça touchera les chevaux également. Il n'y a plus de munitions ou quoi? Ah, ils vont tirer de loin. Allez, faut stopper la cavalerie. Stoppez-la. Bon, voilà, c'est bon. Hein. Allez, chargez-les. Il se replie, donc ça c'est parfait. Et on va... Allez, les derniers combats. Bien joué. Là, ouais, c'est le cas de le dire, c'est vraiment une victoire héroïque. Je m'attendais pas à ce que je gagne, mais vraiment pas. Parce que faut avouer, j'étais vraiment en infériorité numérique. Et pourtant, je l'ai fait. Alors là, par contre, je vais décliner leur attaque. Ah, je peux pas, malheureusement. Bon, écoutez, tant pis. Ils ont fortement bien résisté. Non, à mon avis, ça va être dur. Tant pis, on... Voilà, c'est une défaite. Bon, j'en aurais sûrement tué plus si je l'avais fait moi-même, mais tant pis. En tout cas, c'est quand même une belle victoire parce que maintenant, cette armée, elle est vraiment... Il y a des terres inutilisées propres à l'agriculture dans cette région. La construction de fermes à cet endroit aidera la population. D'accord, donc... Est-ce que ça va? Oui, maintenant, la ville, ça va. Maintenant, on va vite s'en charger. Ne laissez pas ce putain s'échapper. Nous sommes vainqueurs. Voilà, 38 pertes. Excellent. Et maintenant, je vais pouvoir prendre cette ville. Assez simplement, je pense. Sur les mers. Voilà. Préparez-vous au combat, chien galeux. Oh, peaceful, regardez, voilà, on va occuper cette ville paisiblement. Hop. En avant pour la couronne et le pays. Bon, ben écoutez, on a
En fait, on a bien avancé, donc... Enfin, on a bien avancé. Au moins, on a arrêté leur avancée au milieu. Et surtout... Bon, là, au service je vais bien évidemment faire revenir mes troupes. Voilà. Toi, tu resteras là, tant pis. Personne ne ou ici. Ah non. Personne ne sera. Oh merde. Je me suis trompé. C'est plutôt toi qui devais rester là, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que je laisse ces hommes ici? Donc là, ça va recruter dans un tour. Là, je vais réparer, tout simplement. Ici, ça recrute aussi dans un tour. Là, on a pris un général, je pense. Il faudrait quand même que... Donc la milice, je vais enlever, j'en ai pas besoin. Et on va recruter pour contrer un peu, parce que là je vois que l'Italie commence à envoyer des hommes. Et voilà, je suis assez. Les renforts, c'est par ici. Ça, ça sert à rien, mais c'est toujours mieux. On va avancer tout ce que je peux. Il faudrait peut-être un peu plus d'artillerie. Ça, c'est vrai. Je vais faire construire ça au niveau recherche et technologie. C'est pas forcément ça qui m'intéresse. Propagande, alors. Ok. Moi je voudrais développer surtout c'est les chars en fait. Bon on va faire ça. Par contre le plus intéressant là ça aurait été clairement hein. Self-détermination, qu'est-ce que ça veut dire? On va faire ça plutôt. Non, avec Orléans, je vais rester là-dessus, voilà. Bon, voilà. Bah écoutez, on va se laisser ici pour cet épisode. Il n'y a eu vraiment aucune bataille, mais comme je pense que je l'ai réussi, hein, on peut dire ça comme ça, face au nombre d'adversaires qui étaient beaucoup plus avantageux pour eux. Donc on a pris Darmstadt, je sais pas comment on le prononce, hein, excusez-moi. Et voilà, on a éliminé donc deux belles armées. Et on se retrouvera donc pour le prochain épisode. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire. Et voilà, je vous dis à tous, à la prochaine. Portez-vous bien, salut.